Bonjour. Si on me demande, si on me pose la question pourquoi j'affirme que les militaires ne peuvent pas diriger, et je le dis parce que je remonte dans l'histoire. Quand tu remontes dans l'histoire, au temps du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le bras valide de l'islam était Sayyidina Ali. Il pouvait couper toutes les têtes. Il était le bras valide de l'islam. Mais pourquoi il n'a pas été le prophète? Malgré que lui, il pouvait couper toutes les têtes, il n'a pas été le prophète. Mais il a accepté sa force. Il sait qu'il a la force. Abadou Fangabala, Abadou Absaka Kumbautike. Mais, Amaga Kirayo, Oega Iramorola, Dobise, Fangabidola, Notse Madala. Quand tu acceptes déjà d'être militaire, tu as accepté de recevoir des ordres, d'obéir des ordres, mais tu n'as pas accepté de diriger. Et je suis sûr à 100%, à l'allure dans laquelle nous allons vers un vrai débat. Pourquoi? Parce qu'une entité de militaires vont se dire que on va tailler notre part du gâteau et l'autre entité qui n'est pas au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va amener une guerre des clans entre les militaires. Et Bébado Marfati, Fla, Kakele, Atilaba. Fangati Betseka Djamamara, les militaires, on ne sait gagner encore, on ne sait gagner encore. Mais on vous demande, on a besoin de vous pour la stabilité de ce pays, mais on n'a pas besoin de vous pour diriger ce pays. Mettez quelqu'un de patriote à la devanture de ce pays et retirez-vous dans les casernes. Retirez-vous pour trouver la solution aux différents conflits qui se trouvent au Mali, à Niono. Lors d'un séjour à Niono ces derniers temps, j'ai vu qu'ils ont égorgé un imam en pleine mosquée. J'ai vu que c'est les dozos qui sont en train de prendre les relèves. Où est partie l'armée malienne? L'armée malienne se trouve dans les bureaux. Si on veut la fin de cette guerre, la fin de la guerre tribale, la fin de la guerre ethnique, il faut que les militaires quittent les bureaux et qu'ils rejoignent les fronts. Un militaire n'est pas fait pour diriger. Moi, je ne suis pas pour les politiciens. Je ne suis pas pour n'importe quel. Je suis pour aucun parti politique. Mais je suis pour le Mali, car je suis citoyen. Je suis pour le développement du Mali. Et je sais que dans aucun pays, un militaire n'est fait pour diriger. Et à la vie tient donc à tes mains. À la vie mort, donc à tes mains, il a calé des ambeda. Mais il est temps que le Malien ait la capacité. Changement de follow des kilis qui l'est. Les Maliens fallaient, à la vie n'y a mort d'amour, mais tant que Malien Maliens m'ont fallu, à la vie n'y a mort d'amour, n'y a mort de caca. Il est temps que chacun de nous commence chercher le changement dans sa famille, chez soi, dans sa personnalité, à sa personne. Et je demande, moi je n'insulte personne. Tous ceux qui se trouvent au pouvoir, c'est mes supérieurs, c'est mes ennemis. Comme on le dit, « Nyamoro Neni, oui ma niaye, moi je sais que n'y a ma niaye. Maintenant, Nyamoro Neni, je n'insulte personne. Mais je demande aux militaires de céder le pouvoir et de prendre les armes et de sauver ce pays. Car ce pays a besoin de vous. Merci. »